Bon, je crois pas avoir retrouvé mon tout premier compte, parce que 2009, ça me paraît un peu vieux, et zéro partie jouée, donc c'est pas mon premier compte. Mais j'ai quand même retrouvé mon compte de 2009, ce qui est impressionnant. Alors voici Prizy. Pour ceux qui ont connu Prizy, bah, vous connaissez Prizy, et puis les autres, je vous plains. Moi, de mon temps, on n'avait pas tous ces Fortnite, on jouait même pas à des jeux qu'on téléchargeait, c'était que des jeux sur navigateur. Et parmi eux, il y avait Prizy, un jeu où t'avais le droit à une partie par jour de plusieurs jeux. Donc ouais, c'était limité, mais tous les jeux étaient un peu comme ça. C'est l'ancêtre des jeux mobiles, en fait. Attends, c'est les jeux mobiles qui sont comme ça. Et tu gagnais des... Je sais même pas comment j'ai de l'argent sur ça. Avec ces trucs que tu gagnais, bah, tu pouvais prendre des super cadeaux. Enfin bon, j'ai jamais connu personne qui a gagné quelque chose, mais techniquement, c'était possible. D'ailleurs, je vais voir ce que je peux avoir avec mes, on va dire, 40. 400 pour un appareil photo ? Mais je suis pas si loin. Ah oui, mais c'est des enchères, je crois. Alors, qu'est-ce que j'ai pour 40 ? 50 nuances de gris. Ah bah, j'aurais été bien content d'avoir ça quand j'étais petit, mais... C'est un site pour enfants, quand même. Voilà, Coco de Pixar, c'est déjà plus crédible. Ah, Monopoly, parfait. Multipliez vos chances de victoire jusqu'à 10 fois. Bah, je vais me gêner, ouais. Je sais pas comment j'ai des zips non plus, je sais... Ça veut dire quoi, ça ? Allez, je vais multiplier mes chances. Je sens que j'ai une chance, en plus. Il doit plus y avoir beaucoup de monde sur ce site. Alors, où sont mes jeux préférés ? Où est Toudou Aviateur ? Il n'y a pas Toudou Aviateur. Et qu'est-ce que je fais de ma vie si vous n'avez pas Toudou Aviateur ? C'était le meilleur jeu ! Mais regardez ça, c'est tous les mêmes, les jeux. C'est que des vieux trucs. L'équivalent de vieux jeux mobiles. Ah, Picbull. Je connais pas, mais c'est avec des mots, donc... Est-ce que ça fonctionne seulement ? Je sais pas, je vais essayer autre chose. Vous allez me dire que je suis parano, mais j'ai la nette impression que les jeux ne se chargent pas. Ah, ça marche! Oh, parfait. Énorme. Problème de gain. À quoi ça sert de le faire à votre site s'il n'y a rien qui fonctionne dessus? C'est pas grave parce que j'avais plein d'autres super jeux dans mon enfance. Est-ce que vous connaissez Dino Gaia? Ah. 19 août 2017. Ah. Non, les gars, c'est trop triste. C'était un super jeu, Dino Gaia. T'élevais un dinosaure et il grandissait avec toi. Et puis, tu le faisais travailler. Tu pouvais le faire devenir ministre. Puis, tu pouvais aller chasser tous les jours. Et puis, tu pouvais aller voler dans les grottes des autres dinosaures. Et il fallait un système de sécurité pour pas que les gens viennent te voler. Et puis, tu pouvais te battre contre les autres dinosaures. Il y avait un système de combat tout pourri. Genre, tu choisissais haut, bas... au milieu pour attaquer, puis au bas au milieu pour défendre, et puis le mec en face il faisait pareil, et puis ensuite ça comparait les... Si t'as fait haut et que le mec défend haut, et bah ça fait rien. C'était trop bien, quoi. Comment on est arrivé là? Et Pew-Pews, parlons de Pew-Pews. Regardez, le jeu est tellement... le jeu est tellement oublié qu'en page 2, il y a moi qui en parle. Non, Pew-Pews c'était réellement le meilleur jeu, il y a 10 ans. Dailymotion. Il y avait des pouvoirs sur le côté, et tu pouvais les utiliser le nombre de fois qu'ils sont, et il fallait ramener un maximum de pew-pews au portail. Ah là, il va creuser par là ensuite. Sur lui. À droite, à droite. À droite, abruti. Le mec met deux plombes. Oui, parfait. Et ensuite, il utilise une fleur sur lui pour qu'il monte. Je pense que c'était un super puzzle game, et tu pouvais créer tes propres niveaux. Et ça n'existe plus. Et qu'est-ce qui me reste en fait? Ah oui, la petite cuillère aussi, ça marche. Oh, regardez, j'ai retrouvé Majority. Oh non, me dites pas que ça existe encore. Ne me dites pas que Majority existe encore. Oh, ça, c'était réellement le meilleur jeu. Ok. Ça fait un million d'années que je cherche. C'est bon, je vais pouvoir jouer à Majority. Bon, de toute façon, il n'y aurait jamais eu assez de joueurs. Mais genre, c'était trop drôle, ce jeu. C'était trop drôle. Genre, il y avait 50 joueurs différents. Ils te posaient une question, genre, qui a battu le record du 100 mètres en 1959. Et t'avais trois réponses possibles. La première, c'était Tintin et Milou. La deuxième, une moissonneuse-batteuse. La troisième, Picasso. Et tu devais juste trouver la réponse que la majorité des joueurs va choisir. Ça a l'air complètement random, mais c'était trop drôle. Mais encore un dead game. Ah, mini-ville, ça c'était chouette. Enfin, alors, est-ce que ma ville existe? Population 2. C'était pas vraiment ça. Bon, c'est pas grave, parce qu'au moins ce site existe encore. Donc je vous mets le lien ici dans la description. Et vous cliquez tous dessus, comme ça on aura une ville super grande, ça va être trop chouette. Et vous pouvez le faire une fois par jour évidemment, alors n'hésitez pas. Ouais, c'était pas vraiment un jeu quoi, on pouvait pas vraiment jouer, fallait juste donner le lien. Et puis les gens cliquaient, puis voilà.
jeu s'arrêtait là. Mais une fois qu'il y a plus de monde, vous pouvez choisir quoi augmenter. Alors moi, je crois que j'étais à 3 ou 2. Je sais plus ce que c'était ma ville. Il y avait ma brute, tiens, je viens de me rappeler de ça. Putain, mais tous ces sites qui sont pas sécurisés, du coup le lecteur flash s'active pas, faut le faire à chaque fois. Dans le cancer. Sur chaque contenu flash, il y a un petit truc pour lancer. Enfin bref, ça se battait automatiquement, voilà. Le jeu, c'était ça. Ultra stylé. Hein. Et tu faisais rien. Mais c'était sympa, quoi. Enfin, à notre époque, c'était vraiment cool comme jeu. De toute façon, les jeux où tu jouais à l'époque. Lourd, les gars, je viens de trouver un jeu qui fonctionne. C'est Alpha Bounce. Bon, j'y ai joué assez tardivement. Donc, c'est pareil. En fait, chaque jour, t'as une. Je sais pas, une ou deux capsules. Et deux capsules quotidiennes. Et donc, t'avances d'une case avec chaque capsule. Donc, voilà, chaque jour, t'avances de deux cases. Et chaque case, c'est un niveau. C'est un casse-brique, d'ailleurs. Hein. J'aime beaucoup ce style de jeu, moi. C'est tout ce qui est old school, moi. Comme on dit, hein, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Enfin, dans les. Ouais. Et il y a plein de super bonus à avoir. Donc là, j'ai eu un bonus, j'ai perdu direct après. Du coup, vous avez pas bien vu, mais. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. En plus, on joue. Mais c'est pour ça que je dis c'est un jeu récent, vu que c'est vraiment un jeu. C'est un peu le tuto, c'est le tout premier niveau, parce que j'ai pas retrouvé mon vrai compte. Je vais pas vous embêter avec ça, bien sûr, mais. Hein, ils ont un peu changé le mode de fonctionnement du site, et je suis surtout pas vous embêter avec ça, mais bon, c'est beaucoup moins bien maintenant. Et après, je vais pas vous embêter avec ça, c'est juste qu'ils m'ont fait faire un nouveau compte avec mon compte Google, et j'ai pas réussi à retrouver mon ancien compte. Et je vais vraiment pas vous embêter avec ça, quoi. Je pense, dans ce jeu, faut pas trop se focus sur où on tape, faut juste se préoccuper de rattraper la balle. Parce que de toute façon, il n'y a pas de limite de temps. Ah, ça, il y a ça. Quand il y a peu de blocs, tu gagnes un tir laser qui se recharge. Regardez. J'ai raté avec mon tir laser. Non mais putain, j'ai perdu le tuto. Oh, je me souviens de ça, Studio Quiz. Oh, ça rappelle trop le jeu de Cyprien, en fait. Je suis sûr qu'il s'est inspiré de ça, cet enculé. C'est pas un enculé, Cyprien, j'aime bien. Même de la musique, quoi. Lourd. C'est un jeu qui joue à plusieurs, je suis sûr qu'il n'y a plus personne qui joue. On va voir. Question de qualification, combien ai-je de mains? 2. Bon là c'est encore le tuto mais peu de chance que je perde parce que j'ai très bien vu dès le début qu'il avait deux mains. On me l'a fait pas moi. Je suis avec Indo64, 31 ans. Excellent. Bon bah écoutez, j'ai plus qu'à attendre qu'on soit 9, c'est ça? Non, 8. Normalement ça se remplissait en 30 secondes. Hein. Imaginez sur Majority où il y a 50 personnes. Comment ça doit être un dead game? Les gars, je vais jamais jouer à ce jeu, enfin. Ok, bon, j'ai réussi à ramener deux personnes de mon Discord. Et bah, la partie va commencer à 4, parce que ça a duré bien assez longtemps. La partie commence. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord pour rejoindre plus de dead game. Ah, nice! Dans quel port Jacques Secrétaire s'est-il distingué? Dans quel sport? Jacques Sécrétin? Jacques Sécrétin. Bien sûr, le random 4 roues. On va pas tricher, on va pas tricher. Jacques Sécrétin, quel sport existe? Handball? Boxe? Ah bah c'était le tennis de table. Je connais pas trop la scène du tennis de table à vrai dire, mais c'est pas grave, hein, meilleure chance à la prochaine. Par contre, il y a des centaines de minutes entre les questions, je sais pas pourquoi. Quel parfum aromatise les fameuses bêtises de camp? Je comprends même pas la question. Ah, c'est un bonbon! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est de la menthe, je crois. Enfin, je crois. Chercher sur Google, quoi, mais. What the fuck? Même les questions, elles datent d'avant la guerre. Et là, le random 31 ans Saint-Martin. Il est en train de nous laver. Enfin, je suppose qu'il cherche aussi sur Google, mais. Pff, quel osera pas se porte le même nom qu'une ville d'Italie? C'est l'Aigle. C'est Naples. C'est Rome. C'est Venise. C'est la Buse. Mais il est trop fort, Indo64. Attends, oiseau, ville, Italie. Rapace, non. Capoué! Ah. La réponse était le Milan. Ah bon? Eh ben on en apprend tous les jours.
Quelle herbe signifie à la fois dérober et flotter dans les airs? Voler. Oh là là, oh c'était serré, Inda. Hein. Attends, Kiroslay? Ok. Alors là, si même Kiros a trouvé. Fermez-la un peu là. Putain. Ah, il est fort, Inda 64. En même temps, c'est la seule personne qui était là avant moi. Le mec, il doit cramper le jeu, ça se trouve. Si ça se trouve, il attend une game depuis ses 29 ans. Hein. Non, malheureusement, on peut pas discuter dans le chat. Dans quelle ville se situe l'avenue célèbre pour ses théâtres Broadway? Hollywood? New York? Ah oui. Hollywood étant un quartier de New York, évidemment. Ok, quelle série de jeux vidéo de football est édictée par Konami? C'est PES. Oh, c'est vraiment ça! En même temps, je connais que FIFA et PES, alors ça aurait pas été PES, j'aurais... Et tout le monde a trouvé. J'ai trouvé avant Inda 64, hein. Évidemment, 31 ans, ça connaît plus PES. Dans quelle ville est tenu le sommet du G20 le 2 avril? C'est Rome. C'est Dijon. C'est Bruxelles. C'est Paris. C'est Londres. Je le savais! Vous qui avez 31 ans, je suis heureux de voir que vous n'avez pas oublié. Il a vraiment dit ça? Dans ta gueule, Inda 64, ça t'apprendra à être trop fort. T'as même trouvé après Drokis, alors que Drokis, je le connais, c'est un enculé. Ça s'appelle le petit Zubed. Zébrouille! Non, c'est le zébron. Bébé zèbre. Le zébro, ben oui. Eh oui. J'ai toujours un point de plus que Drokis, mais il va falloir que je fasse attention maintenant. Regardez ce que j'ai trouvé au supermarché. On dirait une banane, mais c'est pas une banane. Charmant un pigeon. Hein. Faut bien se distraire pendant. Hein? Avouez, vous en avez envie maintenant. T'avais envie de me prendre la banane et de la prendre entre vos mains et de l'écrabouiller. Quelle constante mathématique elle a des noms dits complexes? C'est les algorithmes. C'est les soustractions. Fonction. Oh là, j'ai pas envie de chercher. Un nombre imaginaire. Je vais tenter imaginaire. D'un vecteur. Je vais essayer vecteur. Exponentiel peut-être. La réponse était i. Ok. Ok, tu m'as bien eu, enculé. Même Inda 64, il a pas trouvé. Non mais à quel moment vous acceptez ce genre de questions si même Inda 64 peut pas trouver? Ok, dernière question. Lourd. Quel terme désigne la technique consistant à faire semblant de chanter sur une bande son? Lip-sync. Non, playback. Saloperie. Je suis quand même devant Drokis, le gros nul. Putain, hyper malaisante l'émission. Une fois que tout le monde a donné la réponse, il reste comme ça en silence. Pendant une minute. Voilà. Pour que ça dure 30 minutes, ça a littéralement duré 30 minutes. Allez, j'en lance une. Oh, mais il y a vraiment des gens. Oh, Drokis surjoue. Ça y est, il est accro. Non, mais il y a des gens qui partent, vas-y, casse les couilles. C'était pourri ce jeu. Mais j'espère que la nostalgie a eu raison de vous durant cette vidéo. Peut-être que dans quelques années, je serai comme ces jeux, quoi. Je serai un dead game. Ah, mais non, je suis pas un jeu vidéo. Tout va bien. Ciao.